C'est essentiel en cuisine de savoir faire une pâte sablée. Comme ça, vous allez pouvoir faire de superbes tartes aux pommes, tartes au chocolat, tartes aux fruits aussi, avec tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas très compliqué, je vous montre les étapes. Premièrement, on va mélanger nos ingrédients secs. On va mettre notre farine. Ensuite, on rajoute notre sucre glace. On a un petit peu de poudre à pâte, ça va lui donner un petit peu de légèreté. Ensuite, pour lui donner un petit peu de saveur, je rajoute un zeste d'orange. Maintenant, on ajoute du beurre froid. On va travailler avec un coupe-pâte, ça va nous faciliter la tâche. Notre beurre est coupé en tout petits morceaux. On va rajouter un œuf entier. On continue de mélanger, vous allez voir, ça a l'air sec, mais ça va fonctionner. Dernière étape, on va la travailler avec nos mains. On va venir simplement lui donner un petit peu de chaleur avec nos mains. On va avoir un joli pâton de pâte sablée comme ça. On réfrigère notre pâte au moins une demi-heure, comme ça le beurre va figer et on va pouvoir la travailler correctement avec un rouleau. Ces techniques culinaires vous sont présentées par les Halles d'Anjou, car tous les goûts sont aux Halles d'Anjou.